Coucou tout le monde, alors aujourd'hui vous nous retrouvez pour un nouveau tuto Fimo qui est le tuto de Golden Moustache, donc la fameuse moustache noire réputée partout. Donc voilà, donc pour ce tuto il vous faudra lame, cutter, couteau, scalpel, donc avec quoi vous coupez, hein. Il vous faudra des cure-dents. Et simplement de la Fimo noire, donc moi je vais prendre de la Fimo soft numéro 9. Donc pour commencer, vous allez prendre deux bouts identiques. Donc si j'arrive à l'ouvrir, voilà. Donc je sais pas si vous entendez la musique derrière, mais bon c'est pas grave. Donc... voilà. Et ensuite. Ah, je me suis coupée. Voilà. Voilà, donc deux bouts identiques. Voilà. Et vous allez en faire une boule. Donc voilà, donc deux boules identiques, voilà, comme vous avez pu voir avant. Donc voilà. Ensuite, vous allez prendre votre boule et vous allez l'étirer ici. Voilà. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est ceci. Voilà, vous faites exactement pareil avec l'autre boule. Oups, merde. Voilà. Donc ensuite, vous allez prendre un ou deux cure-dents. Donc moi, je vous conseille deux cure-dents. Moi je recommande juste ma petite boule parce que c'est un peu pété. Donc vous faites à peu près la même taille, hein. Donc moi il manque un peu. Voilà. Donc ensuite vous allez prendre vos deux cure-dents. Et là vous allez... si votre Fimo tient bien, vous allez juste courber ici. Donc vous pouvez très bien faire avec un seul cure-dent. Voilà, donc réajuster avec vos mains. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est aplatir ici. Donc sur la boule, vous allez aplatir là. Donc voilà. Ensuite, ce que je vous propose, personnellement, moi, c'est ce que je vais faire. Donc vous allez prendre un ciseau. Et vous allez couper votre cure-dent donc, avec lequel vous avez... voilà, donc avec lequel vous avez fait votre truc. Voilà. Donc après vous pouvez ranger tout ce qu'il vous faut. Voilà. Donc vous allez planter votre cure-dent là-dedans. Et vous allez replanter également ici. Tac, et vous faites de la même taille maintenant. Ensuite, ce que vous pouvez faire, bah voilà, donc moi je reforme juste ma boucle.
Donc voilà, vous faites une petite ajustation. Donc c'est ce que j'ai fait. Et après, ce que vous pouvez faire aussi, c'est... Donc je vais juste ranger ça. Ce que vous pouvez faire, c'est prendre une petite lame ou un petit couteau et faire un petit creux ici. Donc le petit creux de Golden Moustache. Ou alors vous appuyez avec vos doigts, mais bon, moi je préfère appuyer comme ceci. Et voilà ce que ça vous donne. Donc après, vous pouvez mettre un piton ou un clou à œil. Donc je vous conseille un clou à œil. Et vous pouvez en faire ce que vous voulez. Donc moi, je vais le garder comme ça. Comme toutes mes autres filmo, parce que... voilà, parce que... J'ai pas encore de piton et de clou à œil. Donc voilà, donc comme cela. Vous pouvez voir que toutes mes créations filmo n'ont ni piton ni clou à œil. Voilà. Donc, ils ont vraiment rien. Hein. Aucune. Donc, je vous laisse regarder par vous-même. Aucune de mes créations n'a de piton ou de clou à œil. Parce que j'aime bien. Je sais pas. Et en plus, surtout, c'est que j'en ai pas. Donc voilà, bah, ce tuto est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Et je vous retrouve très prochainement pour de nouveaux tutos. Bisous!